gens de l'internet, j'espère que vous allez bien mes amis, j'espère aussi que vous avez la forme, moi ça va super super bien. Puis dans le fond aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le serveur très connu Horizon Craft. Donc légende, serveur légende du PvP faction les amis, et bien oui. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour l'épisode numéro 73. Mon dieu seigneur, ça fait beaucoup d'épisodes tout ça. Et là il y a 95, même 100% de ma communauté qui doivent pas connaître ce serveur. Donc là je vais vous dire, je vais vous expliquer un peu vite fait c'est quoi le serveur. Et tous ces trucs là. Donc, commençons par le commencement. Horizon Craft, c'est quoi? C'est un serveur qui a ouvert en 2011-2012. Qui est quand même, qui était dans le game pendant un bon moment. C'était un des serveurs les plus connus. Bon, après ça, il y a eu une fermeture, un hack de la part de Iceworld, si je me souviens bien. C'était Iceworld qui avait hack ce serveur-là. Il y a eu un reset. Ça n'a pas tellement marché parce que le fondateur, ben, il était pas intéressé par Minecraft. Il était plus à fond sur League of Legends à l'époque. Aujourd'hui il réouvre le truc, je sais pas si ça va durer ou quoi que ce soit les amis, j'ai pas parlé avec lui ou quoi que ce soit, comme vous pouvez voir, j'ai aucun grade, donc je suis vraiment, je sais pas si je veux jouer sur Minecraft quoi. Moi je vais juste vous le présenter, je vais juste vous le montrer parce que, vous avez, il y en a beaucoup d'entre vous qui jouaient à l'époque, donc voilà, je me suis dit, ça peut faire quand même plaisir à certains d'entre vous. Si je joue, je vais jouer avec 1399, Blackbird, et puis ces gens-là, quoi, les anciens d'Horizon Craft, sûrement sous suite un peu vite fait. Dernièrement, je parle pas mal avec sous suite, mais je joue plus trop PC, donc on verra bien en temps et lieu, mais bon, voilà. Donc, je vais vite fait vous expliquer un peu le serveur, tout ça. Je pense que, voilà, je pense que c'est la moindre des choses, parce que, ben, j'ai commencé sur ce serveur-là, je veux dire, 73 épisodes aujourd'hui, c'est quand même pas rien, donc, quand même, je dois quand même une grosse partie de ma réputation sur YouTube à Horizon Craft, vu que c'est là que j'ai commencé. La vidéo, celle-ci, va être ajoutée à la playlist. Donc si vous avez envie d'écouter tous les épisodes du début, ben vous allez pouvoir voir l'avancement de ma voix. Vous allez pouvoir aussi voir plein d'amis, plein de personnes que j'ai connues tout au long de cette aventure. Donc là, vite fait, Paradox, Belle Mimi, Emily, il y a plein de gens qu'on a connus durant toute cette affaire-là. C'est juste les gens que je me souviens vite fait. Mais voilà quoi. Donc, on va commencer par vous dire que c'est probablement le premier spawn que moi j'ai connu. Le deuxième, parce qu'au début je faisais pas de vidéo, mais il y avait le spawn ensemble, qui va revenir un peu plus tard dans la série si vous écoutez du début. Mais ça c'est le premier spawn, celui qu'on a connu le plus avec Eodam et sous suite. C'est là qu'on a vraiment commencé à faire des vidéos, etc. Donc, en gros, le shop, quoi, il n'a pas changé, c'est la même chose que dans le passé. En gros, c'est un serveur vraiment faction normale, quoi, il n'y a pas vraiment de nouveautés, mais ça fait plaisir, hein. Faction ancienne, les nouveaux serveurs essayent tout d'innover, etc., mais tous les serveurs se copient au fur et à mesure, et puis ça devient un peu nul à chier. Ça, c'est le shop des ventes et des achats. Ici, on a le Nether, donc les portails sont pas créables parce qu'à l'époque, il y avait la duplication. Je pense... Oh, excusez-moi, il est 6h du matin. Je pense qu'il l'a toujours aussi, d'ailleurs. Je suis pas sûr à 100%, mais voilà. Boutique on cet après-midi. Donc, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de joueurs. Il y a 50 joueurs. Il n'y a pas de boutique encore. Donc, ensuite, les informations sur le serveur. Donc, HorizonCraft.fr. HorizonCraft.fr. Version 1.7.10. La 1.8 n'est pas... Tu peux pas connecter à 1.8. Je pense que tu peux pas, je suis pas sûr. Pense à voter sur le site. La map fait du 500 000 sur 500 000. Donc vraiment une map énorme. Fondateur Arcadia, admin Crary, admin O-Peach, modérateur SpawnWee. Ça c'est les membres du staff. Donc voilà. Ensuite, ici, si je m'abuse, on a 17 ans pour le grade. Wow, on va recommencer du début. Donc ça c'est les grades. On va commencer du premier grade là-bas. Ça, c'est toutes les informations sur les grades. Donc, les grades VIP, ça donne le kit VIP et accès à un 1 home. Donc, le kit VIP, c'est quoi? C'est un plastron full P1 avec une épée T2 et 10 pommes dorées. Kit disponible tous les 1 heure. Donc, tous les heures, quoi, en gros. Ensuite, c'est quand même cool comment ils ont fait ça, en vrai. Hein? Grade chevalier, 2 septembre, le Fixol, le Warfarm. Donc ensuite si on veut voir le kit chevalier on va en bas.
Le kit chevalier, c'est un full P2 avec une tranche en deux, 10 pommes d'or, 10 côtelettes. Disponible tous les 2 heures. Voilà, voilà, voilà. Le grade seigneur, donc 5 septembre, slash spawner, slash warp farm, slash reaper, feedback. Et puis le kit qui est en bas. Donc ça commence à être vraiment du bon grade. Là. Ici, je pense que c'est du P3. Ouais, P3, 20 côtelettes de porc, T3, une pomme cheese, 10 pommes dorées, 2 œufs de creep. Disponible tous les 6 heures. Donc c'est les mêmes kits qu'à l'ancienne les amis, pour ceux qui avaient déjà joué à l'époque. Hein. Les grades sont pas récupérables par exemple. 17 tomes, feed, repair all, warp, farm plus, spawner, slash back et... c'est tout. Il y a 17 tomes dans celle-là, ça c'était cool à l'époque. Donc ensuite, pioche if cast T5, homme breaking 3, fortune 2, full P3, T3, fire aspect 1. 10 pommes dorées, 8 œufs de creep, 4 pommes cheat, 4 underpearl, 32 obsidiennes et 10 spawners à l'achat. Donc 10 spawners normal quoi. Et quand on fait slash spawner, si je m'abuse, c'est genre on a accès à plusieurs spawners, plusieurs types de spawners. Donc on peut changer les spawners. Comme à l'époque les amis. Donc ça va rappeler pas mal de souvenirs tout ça. Je pense que les gens vont vraiment kiffer. Ici on a une place pour les enclumes. Donc il y a plein d'enclumes qui vont se remettre à jour. En gros ça va jusqu'en haut de la tour. Puis ça descend à chaque fois qu'il y en a une qui se casse. Voilà. Attention vous allez être propulsé. Donc là je vais pas sortir. Ah si peut-être. Boum voilà. Donc la warzone qui a changé. Hein, bien entendu. Là ils vont sûrement sortir pour me tuer. Non pas encore. La warzone qui a changé mais juste le début qui a pas changé. Ensuite c'est bon. Voilà, quoi, vous allez voir, c'est une warzone assez stylée. Il y a aussi un trailer... Oh, shit, il y a un gars, faut le faire, là. Il y a aussi un trailer du serveur que je vais mettre dans la description si vous avez envie d'aller voir. Je vais sûrement... Je sais pas qui l'a posté, mais je vais trouver quelqu'un qui l'a posté. Puis je vais vous le mettre. Il y aura sûrement des nouveautés, genre des KOTH, des trucs comme ça, qui vont sortir dans le futur. Mais pour l'instant, je n'ai aucune idée qu'est-ce qui arrive sur le serveur. Comme j'ai dit, je suis pas au courant de rien. Le serveur lag pas assez, je peux pas faire ça, c'est ça? Ah non, il y a ça qui bloque. Pourquoi j'ai sauté ici d'abord? Je peux même pas sortir, esti. Ok, qu'est-ce que j'ai fait là, calice de tabarnak? C'est quoi ça? Ah, rip, je suis coincé. Ok, ben adieu. Allez, allez, allez! Ah c'est bon, je savais que j'étais capable les amis. Je savais que j'étais capable. Bon, faut pas aller là-dedans. Donc si vous voyez ça, allez pas là-dedans. C'est de la grosse merde. Je sais pas à quoi ça sert. C'est genre pour pas que... Ah ok, oui, je comprends. Exemple, tu veux faire un PvP contre quelqu'un, mais tu veux pas qu'il s'enfuit. Ben tu vas là-dedans, puis tu vas être obligé de PvP jusqu'à temps que un de vous deux meurt pour faire slash spawn après. Ah, c'est quand même pas pire. Après, je vais aller jusqu'au zappé, hein, les amis. Je vais me casser le cul, mais bien longtemps. Donc je sais pas pourquoi j'ai perdu de la vie. Je me souviens pas pourquoi. Warzone qui est quand même assez cool. Je sais pas qui l'a fait. On va continuer à avancer. Puis la Warzone, Chris, c'est bien grand, man. Avant c'était une petite Warzone, là c'est fucking grand. Il y a aussi un nouveau site qui est quand même assez stylé. J'aime bien le site personnellement. Donc est-ce qu'on va pouvoir avoir accès à la fin de la Warzone? Je crois que c'est ici. Ouais, voilà. Donc ensuite c'est un monde normal si je m'abuse. Ouais voilà, c'est un monde normal. Juste ici au début, vous avez des designs, on peut appeler ça comme ça. Enfin une warzone stylée quoi. Ensuite vous avez une AP ici. Donc on va aller voir, on va aller dire bonjour. Non je rigole. Mais ouais, en gros vous avez la ligne d'AP quoi, comme d'habitude. Et puis ici vous avez... Voilà, caca. Ok, ouais, très mature comme nom de faction, ça, les amis. Donc, en gros, ensuite, vous avez le serveur quoi, normal, comme tout le monde. Donc, voilà, c'est pas mal tout pour les amis, pour moi. Donc, si ça vous a fait plaisir, la vidéo, vous avez juste à laisser un pouce bleu. Le serveur est ouvert hier. Je vais poster la vidéo aujourd'hui, dans la journée, sûrement. Et puis, voilà, si vous voulez un let's play sur le serveur, les amis, ben, dites-le moi dans les commentaires. Je veux dire, il reste quoi, environ... On avait dit... Durant la série, on avait fait un défi avec SoSuite, c'était de faire 100 épisodes. Ben avec SoSuite, la vidéo que j'avais dit ça, j'étais avec SoSuite quoi. Mais c'est un défi personnel. J'avais dit que je ferais 100 vidéos sur le serveur, mais le serveur a eu des problèmes, donc on a finalement pas terminé. Mais bon, on verra bien les amis. Si vous avez envie de voir toute la série, vous pouvez recommencer de l'épisode numéro 1.
Je suis fatigué, il y a déjà 10 000 vues à l'épisode, à la série complète. Ce que je veux dire, c'est que la personne, les personnes ont commencé de l'épisode 1 jusqu'à 60, il y a, à 70 ou 72. Il y a déjà 10 150 vues, j'ai vu dans les analytics, vraiment stylé. Si vous voulez faire partie des 10 000 personnes qui ont vu la série au complet, ben continuez les amis, moi je vais continuer sûrement la série. Je sais pas, dites-le moi dans les commentaires, de toute façon je joue plus tellement Minecraft en ce moment, je me concentre beaucoup sur CSGO. Je veux pas devenir pro quoi que ce soit, juste que le jeu me plaît plus, j'ai plus vraiment de copains qui jouent à Minecraft. Et ben si j'ai des copains qui jouent à Minecraft, juste que j'avais pas de bon serveur. Mais là ça peut vraiment être un bon serveur celui-ci, où qu'on commence tout à jouer et s'amuser tous ensemble. Donc voilà les amis, c'est pas mal tout, je vous laisse ici. J'espère que la vidéo vous a fait plaisir, si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne YouTube. C'était Icons, bonne fin de journée.